Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que vous savez que j'adore chercher finir les zones à 100%. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça en vidéo parce que j'ai bien galéré. Entre temps, j'ai fait pas mal de donjons et tout pour m'équiper en légendaire et tout ça. Je suis en cours, c'est en cours plutôt pas mal. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de finir cette zone. Je vais essayer de poncer cette zone. Donc voilà, vous voyez que mes dernières boules de ravitaillement, je suis tombé dessus. En fait, elles sont ici, mes 4 dernières. Il m'en manque 4. Les 4 sont là, ici. Et je voulais y accéder, mais voilà, dès que vous rentrez dedans, boum, vous êtes renvoyé en bas. Et quand vous accédez là, on vous dit, voilà, vous avez un petit exposé qui vous dit, voilà, j'ai fait un système de sécurité en clair. Et il faut activer les 3 tours radar pour désactiver le champ de force. Donc vous voyez, j'en ai déjà activé un. La tour radar que j'ai activée, c'est pas celle-là, elle est rouge, c'est pas celle-là, c'est celle-là là-bas. Donc celle-là là-bas, vous pouvez y aller tout de suite. Il va juste falloir tuer les mobs et activer avec le code, si je me trompe pas, directement. Ensuite, j'étais à celui-là, mais celui-là, il faut des caisses à outils pour réparer les générateurs. Et celui-là là-bas, il faut qu'on aille chercher une clé de démarrage sur l'île pétrolière des Yens, qui est au niveau de la qui est en amont de l'île du faiseur de pluie. Donc pour ça, je me suis déplacé là-bas. Et le monsieur à qui je dois parler m'a dit: je veux un soda glacé à la fraise. Et donc j'avais pas la recette. Donc pour réussir la recette, je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Pour ça, il faut que j'aille à une faille. Je crois qu'il y en a une juste à côté. Ouais, il y en a une juste à côté, voilà. Donc je suis allé ici. J'ai fait création de cuisine, tout simplement. Et j'ai mis, voilà, 15 fraises. J'ai fait cuisiner. Et ça m'a appris, tac, je vous montre la recette. Soda glacé à la fraise. Il vous faut des fraises, du miel et de l'eau. L'eau que vous pouvez aller acheter au vendeur d'Astra ou de Bange. Moi, je suis allé chez Bange. J'ai fabriqué mon soda. Et donc là, on va aller le ramener au monsieur. Et logiquement, donc c'est l'île qui est juste là, vous voyez. Vous spawnez ici et elle apparaît pas sur la carte, mais c'est l'île qui est là-bas. Vous allez là-bas. Donc je découvre, hein, en même temps que vous, et je me suis dit, ça peut être cool d'en faire une vidéo. Là, vous lui parlez. Retour au carnaval, ouais. Plaisir de vous revoir, voilà. Donc pour rentrer ici, en fait, vous faites à chaque fois les dernières... à chaque fois que vous faites une proposition, vous faites les dernières propositions. Il vous laissera rentrer. Voilà. Donc là, je vais lui donner ce qu'il m'a demandé. Donc son soda glacé, laisse-moi prendre une gorgée. Ce n'est pas comme si je n'avais rien à vous donner en échange. Donnez-lui soda glacé. Voilà. Maintenant que j'ai récupéré ça, logiquement, je vais pouvoir aller activer. Il me dit plus rien, on est d'accord. Ah, ça, je sais pas le lire, malheureusement. Donc logiquement, avec ce qu'il m'a donné, je
je vais pouvoir aller activer. Tac. Aller activer la tour radio. On va aller vérifier. À moins qu'il faut que j'en donne plus, je sais pas. Donc c'est le principe de la vidéo. Je découvre en même temps que vous. Parce que j'aime pas me spoil avec Internet, mais il y en a. Il y en a qui, quand ils galèrent de trop, qui aiment bien avoir les solutions. Donc je me dis que j'ai pas le bon truc. Voilà. Je me dis que je vais faire une petite vidéo comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Parce que j'ai quand même bien galéré à trouver. Et à un moment, je me suis dit, ça peut que être en hauteur. Et il y avait cette boule qui me dérangeait là. Cette petite boule de sécurité. Je me suis dit, je vais aller quand même jeter un œil. Et c'est là qu'ils sont cachés mes quatre dernières boules de ravitaillement. On va voir si ce qu'il m'a donné va me suffire à activer la tour. Et voilà. Vous voyez que là, normalement, c'était grisé avant. Et avec ce qu'il m'a donné, on peut, tac, mettre le composant en place. Paf. Et activer le dispositif. Et c'est parti. On en a deux sur trois. Il nous manque la troisième. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de mon côté comment trouver le dispositif. Pour activer le troisième la troisième tour et puis je vous ferai ça en vidéo. À toute. Et re les amis. Alors après maintes et maintes recherches, voilà. Donc il va falloir faire des entraînements. Donc vous avez des entraînements là. Suivant votre score que vous allez faire, vous allez gagner des points. Et ces points, vous allez pouvoir aller les dépenser ici, dans les cadeaux raffinés. En achetant des cadeaux raffinés, vous allez pouvoir les utiliser et sortir des kits d'outils. Donc là, j'en ai pris 5. Logiquement, j'en ai besoin de 5. On va voir si mon calcul est bon. Peut-être qu'il y en aurait besoin de moins, je ne sais pas. Et on va aller... Tac. On va aller à la dernière tour, réparer tout ce qu'on doit réparer, et logiquement pouvoir avoir accès à nos derniers modules de ravitaillement. Si tout se passe bien. J'aurais bien galéré à les trouver. Punaise. Alors... De ce côté, c'est fait. C'est celui-là là-bas. Jamais. On va faire ça autrement. Donc logiquement, on a ce qu'il faut pour réparer. Toutes les machines qui étaient cassées. Et on va pouvoir récupérer nos modules.
là, ça nous en coûte 2. Celui-là, il est réparé. Pourquoi il s'est tourné? Descends. Donc, il va d'abord falloir éliminer 2-3 chiens qui prennent dedans. Sur la petite dehors. Voilà, ça... Alors, là, ça nous en coûte 2 aussi. Ok. Et là, 1. Donc, ça nous fait nos 5. Ah. Et ça, ça nous les a pas utilisés. D'accord. Il les fallait, mais ça les a pas décomptés. Ok, super. Bah comme quoi, à quoi ça va servir la vidéo? À savoir qu'il vous en faut juste un en fait. Ça vous les décompte pas. Donc c'est pas grave, je les offrirai aux personnages pour les éveiller. Et voilà. Logiquement là on est bon, on a les 3. Le champ de force est censé... Et finalement je les ai quand même tous encore. Ouais je les ai tous, bah c'est pas grave. Ça sera utilisable pour un perso, c'est pas sûr. On fera l'éveil avec. Donc là maintenant, j'imagine qu'il faut que j'aille au pied du truc pour l'activer. Je sais pas exactement. On va prendre notre petit surf. Système de défense débloqué, transmettre au parc écologique. Ouais. Et voilà. On a réussi à rentrer dedans et on peut récupérer nos 4 modules de ravitaillement. Manquant. You find it useful? Et il n'y a pas que ça. Il y a un coffre à code. Mais surtout, il y a... Oh. Vous voyez ce que je vois là-haut? Et voilà. Éclat de bras. x30, donc si jamais vous l'avez pas déjà pris avec un coffre, parce que je sais que c'est possible de le prendre avec un coffre que vous allez gagner un moment je crois en relique SSR, moi je l'avais pris avec le coffre je crois, bah vous pouvez l'avoir à ce moment précis de l'histoire sans avoir besoin d'avoir le coffre SSR. Donc voilà, sur le coup on vérifie ici, on a récupéré tous nos ravitaillements, l'exploration du monde la dernière je sais où elle est. Mais voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura aidé. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, des bisous. Ciao ciao.